Aujourd'hui, on va fumer la plupart des empereurs de One Piece dans le mode Troop Rhine Peace. En gros, j'ai 4 trésors en diamant qui permettent chacun d'obtenir normalement un fruit du démon et chacun de ces coffres va choisir quel fruit du démon on va utiliser pour les empereurs. On va commencer par Barbe Blanche, du coup je vais avoir le fruit de Kuma, je l'ai déjà actuellement donc c'est parfait. Il est très fort, je pense qu'on va exploser Barbe Blanche en 2 secondes. Ensuite ce sera pour Big Mom, on va avoir le fruit du fantôme. Ouais, on a eu un collier cross, Epic Cross. Ah mais c'est le truc de Mihawk. Ah ouais, ok, voilà, j'ai un flow négatif, préféré ma cape, mais elle est moins forte je pense. Ensuite, Kaido, on va avoir, mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est le fruit de Smoker, ah c'est un Logia, donc ça va être complètement fumé, peut-être même que Kaido ne pourra rien me faire, pratiquement rien me faire, donc ça va être plutôt drôle. Et le dernier, on aura Shanks, on prend les empereurs originaux, et on va avoir le fruit de l'amour. Ouah, et on a le Aori de... Ah non, c'est pas le Aori de Akainu, j'ai cru. C'est le manteau de Barbe Blanche. Eh, c'est stylé en vrai, vas-y, j'aime bien. J'ai un peu l'air d'un clown habillé comme ça, mais écoutez, on va faire avec. Allez, c'est parti. Déjà, j'ai trouvé Sunny. Avant toute chose, avant qu'on aille affronter direct les empereurs, là-bas, on peut potentiellement trouver Zoro, Luffy et pas mal de gens qui peut-être nous rendront plus forts, donc j'ai envie d'aller voir. Donc déjà, on a Luffy. C'est quel Luffy? Right click to get gear quest. Oui mais j'ai pas le gom gom donc ça me sert à rien d'avoir le gear secondo. Ok, Zoro m'intéresse parce que peut-être que Zoro peut m'apprendre des styles d'épée. On a Sanji, sinon il faudra que j'apprenne son style de combat au cas où on a un fruit éclaté, ça pourra toujours aider. Et j'ai pas vu, ok mais vous n'êtes pas un membre, mais vous n'êtes pas Brook. Mais vous êtes qui vous? Mais c'est qui cet imposteur? Allez va-t'en, sale squelette de mort. Voilà, non mais oh, il s'est pris pour qui celui-là, n'importe quoi. Allez c'est parti, où est Zoro? Attends, où est-ce qu'on est là? On est dans le dressing de Nami, vu qu'il y a de l'argent partout je suppose. J'ai trouvé Zoro mais j'ai pas l'impression qu'il est de quête. Non il a pas de quête, il y a vraiment pas de style d'épée dans ce jeu. Bon et bah c'est pas grave, allez au revoir Brook. Qu'est-ce qu'il est beau lui aussi, incroyable. Allez on s'arrache les frères, enfin moi je m'arrache en tout cas. Je vole votre bateau et on va affronter Barbe Blanche d'abord. Mais tant que je suis à côté, vas-y attends, il y a un bateau de la marine. On va aller fumer quelques marines, ça me permettra de finir la quête de Sanji qui me demande de tuer 20 marines pour avoir son style de combat. Comme ça, là on sera réellement bien et même si on a un fruit nul, on pourra avoir quelque chose. Et aussi j'ai oublié de vous préciser un truc, je fais ça qu'avec une seule vie dans cette vidéo. Oui j'ai oublié de le préciser, donc si je meurs une seule fois contre les empereurs, et bah toute la série... Et finito. Très bien, ok, j'ai fini la quête de Sanji. Et en plus j'ai débloqué ma dernière compétence. Vas-y on va l'essayer, c'est le Ursus chaud. Ok, il me faut plus de stamina, donc je vais déjà sortir d'ici. Allez testons ça, c'est parti. Il se passe rien, ah si, il y a la boule qui se génère, ok. Là je fais rien mais ça devrait. Ah oui ça commence à rétrécir, non, oui ça rétrécit. Ok, c'est parti. Ursus chaud cul. Oh oui d'accord, oh oui c'est pas mal du tout. Non mais le fruit de Kuma il est fumé, attends t'es mal. Wow, t'es mal l'impact. Ok, c'est impressionnant. J'avoue que je l'ai balancé un peu au pif. On a démonté le bateau. Sanji, j'ai fini la quête. Balance le Black Leg. Le Black Leg, tu as déjà ma quête. Comment ça? C'est-à-dire que j'ai déjà débloqué. J'ai rien de débloqué, mon frérot. Je viens de la finir, ta quête. Peut-être qu'il y avait autre chose à faire. Ah, il veut que je tue deux capitaines de la marine. D'accord. Oh, il y a un truc de Big Mom là-bas. Peut-être qu'elle est ici. On verra ça. C'est parfait. Ok, bon, deux capitaines. C'est Aze. J'en ai tué. Je sais pas combien depuis tout à l'heure. Franchement, c'est pas ça qui va m'empêcher. Voilà, c'est bon, c'est gagné. Sanji's quest finished. Et du coup, j'ai juste besoin de retourner le voir. Ok, c'est bon. Nous voilà avec le style Black Leg de Sanji. Je peux mettre des coups de pied. Regardez, là, je mets des coups de pied. C'est pas très stylé. Ce mode, c'est pas le mode qui a les effets les plus stylés. Mais écoutez, bon, ça va faire le taf. Et je peux faire. Ouh, tourbillon. Vas-y, en vrai, c'est trop éclaté. En vrai, ce mode, il est trop moche. Voilà, il faut le dire à un moment. Il faut être honnête, frère. C'est dégueulasse. Hein. Bon, allez, maintenant, nous sommes fin prêt pour Barbe Blanche. Et du coup, on va utiliser le Nikyu. Nikyu, comme c'était prévu, mais on l'a déjà. Donc hop, ça dégage à la poubelle, je l'ai déjà. Ok, et comme ça, on pourra enchaîner sur le saut d'après. J'ai oublié dans quel ordre je les ai eus. Si je me trompe pas, après, ce sera le fantôme. J'ai déjà zappé. C'est incroyable à quel point j'ai une mémoire de nul à chier. Bon, alors, où était Barbe Blanche? On l'avait déjà trouvé. Vas-y, c'est bon, j'ai trouvé Barbe Blanche. On est sur le Moby Dick. C'est pas le même que la dernière fois, mais c'est pas très grave. Bonjour, bonjour, capitaine. Je ne suis pas là pour vous du tout. Qu'est-ce que tu me fabriques, toi? Qu'est-ce que tu fais? J'ai découvert un truc avec mon frère. Si je fais Shift et Z, ah, je peux te faire une rafale. Tu t'y attendais pas à ça, parce que moi, je le savais pas non plus. Je l'ai découvert au pif. Ok, Barbe Blanche, j'espère que tu es prêt. On active le haki et let's go. C'est parti. C'est l'heure du combat. Est-ce que cette fois, je vais m'en sortir? Il m'ignore, frère. Il m'ignore. Il en a rien à faire. Ok. Oh, il fait quelques dégâts. Ça reste plus qu'acceptable, plus que gérable même, j'ai envie de dire. Voilà, dégagez d'ici vous tous.
Vas-y, on va tenter un truc, on va faire la technique pour le repousser. Ah ouais, je pourrais le jeter dans l'eau, mais ce serait de la triche. Vas-y, viens là, Barbe Blanche, Hunter. Hop là, t'as rien fait du tout. T'es à terre, hop, je te réceptionne. J'en ai rien à faire, moi, j'ai tous les combos. Et là, je te mets ma douleur dans la bouche. J'ai très peu de douleur, donc ouh, ça fait quand même 40. Ouh, c'est quand même pas légal comme technique. Et là, Rafale, hop là, ça fait aucun dégât, mais c'est stylé. Il a été repoussé, frère, il peut rien faire. C'est à ce niveau-là que je suis devenu puissant, frère. J'ai tellement entraîné mon haki, j'en ai 600 ou 700 points, je ne sais même plus combien j'en ai tellement j'en ai. Je vais juste exploser, Barbe Blanche. J'ai même pas de stuff enchanté. J'ai rien. Je suis nu comme un ver. Et le ver est en train de te péter la bouche. Ok, c'est déjà l'heure, malheureusement. Du coup, final, Barbe Blanche. Alors, je vais reculer quand même un peu parce que sa mère y court vite. Hein. Attends, je peux faire un truc drôle aussi. Haki des rois. Haki des rois. Je suis en train de le fumer avec le haki des rois. Et maintenant, on combo. Maintenant qu'il est stun par mon haki exceptionnel, c'est l'heure. Ursus Choku. Adieu, Barbe Blanche. C'est fini. J'ai raté. Oh non, non, c'est ridicule. Hop là, c'est pas grave, on va le tuer avec autre chose. Et hop, Barbe Blanche est dead. Ouh, quoi? Bicento Fighting Style? Mais tu m'as droppé un Bicento, mon frérot? Tu m'as rien... Qu'est-ce que... Ok, il y a tout son équipage qui veut mon boule. Mais attends, mais tu m'as pas droppé de Bicento? Mais t'es un menteur. Ah si, il y avait du loot, ok, il y avait plein de loot de Barbe Blanche, vas-y. Et du coup, clic droit, et t'as besoin d'être niveau 15 et d'avoir un Bicento. Bah c'est bon, du coup, voilà. Ok, merci Barbe Blanche. Je crois qu'il est mort après, je crois qu'il est dead. Et du coup, ça fait... J'ai de nouvelles techniques. Comment j'utilise? R, ça fait rien. Et Y, ça fait... Oh, ok, c'est correct, c'est correct. Donc ça, c'est mon nouveau style. Oh, attends, j'avais pas vu. Oh, j'ai des attaques basiques. Ah ouais, ça, c'est stylé, par contre. Ça, je m'y attendais pas, mais c'est vraiment cool. Je suis littéralement Barbe Blanche. J'ai juste les chaussures qui vont pas avec, mais sinon, j'ai tout le stuff, full stuff Barbe Blanche. J'ai même son Denden Mushi. Je ne sais pas s'il sert à quelque chose, mais écoutez, au moins je l'ai. Bon, ça c'est fait, il n'y a plus qu'à passer au prochain, il faut qu'on trouve Big Mom maintenant. Et je ne sais pas où elle spawn, j'en sais rien du tout. Ah, voilà Big Mom, elle avait pas spawn la dernière fois, mais on avait déjà croisé son gâteau, ou à moins que c'était pas son gâteau. Si, ça ressemble bien à ce que j'avais vu. Attends, il y a des coffres, Big Mom. Je vais juste choper les coffres et j'arrive, et je te fume en deux-deux. Je sais pas si on va trouver Kaido, par contre, c'est vrai que j'ai pas réfléchi à s'il y avait Kaido dans ce mode. J'aurais peut-être dû vérifier. Vas-y, elle a quoi comme fruit en haut de chez elle? C'est quoi? Awa, Awa no Paramecia Common, je ne sais pas ce que c'est. On va le manger juste par curiosité. C'est quoi? Ah, c'est les bulles. Oh, c'est éclaté. Oh, c'est vraiment nul. Attendez, mais je suis grave stupide en plus. J'avais dit, oh, on a le fruit de l'amour pour Shanks. C'est pas le fruit de l'amour, c'est le Opéopénomi. Ça n'a rien à voir. C'est le fruit de l'eau, ça n'a aucun rapport. Bref, mais pour Big Mom, c'est le fantôme, si je me trompe pas. Hein. C'était celui-là. Allez, c'est parti, hop. Fruit du fantôme, il doit être un peu moyen, je pense. Mais bon, on va falloir faire avec. Attends, mais elle a des spawns. Big Mom. Mais c'est une blague. J'ai fait 2 mètres, c'est censé être un boss, elle despawn pas. Mais elle a des spawns. Bon, on va la réinvoquer grâce à la puissance du cheat, du One Piece, du One Piece. Cheat, j'ai jamais dit ça, n'importe quoi. Ok, Big Mom, te revoilà grâce à la puissance du One Cheat. Et donc, on va la fumer maintenant, c'est parti. Les techniques secrètes du Bicento. Allez, c'est parti, Big Mom, c'est pas Barbe qui se soit. Attends, mais elle me fait rien. Meuf, bah toi, tu fais quoi là? Tu fais quoi? Pourquoi tu m'observes comme ça? Ah, oups, je suis sorti de mon corps. Mauvaise technique. Arrête, ne me frappe pas, s'il te plaît. Ah, ça y est, elle se réveille un petit peu. Vas-y, j'ai quoi comme technique aussi? J'ai quoi? C'est quoi ma technique ultime? J'ai juste fait un fantôme et il explose. Ah ouais, ça va vraiment être un fruit nul. Je pense qu'on va juste se battre au Bicento et on va faire avec. Ouais, elle fait mal. Elle me frappe pas beaucoup, elle est un peu teubée, mais sa mère, quand elle touche, elle fait mal. Technique des fantômes. Non, mais attends, mais elle est trop nulle. Meuf, mais qu'est-ce que tu fabriques? Je vais pas me coller à toi pour que tu me frappes, tu fais quoi? Eh, les PNJ dans ce jeu, c'est pas leur point fort, hein. Les structures de ce mode sont géniales, mais par contre, ouh, les PNJ sont teubés, mon frère. Ah, ça y est, tu t'approches? Tu te réveilles à peu près? C'est bien, Big Mom? Non, elle s'est rendormie. Non, mais meuf, écoute, c'est quoi ton souci? C'est quoi, tu es bugué? À chaque fois, hein. C'est au moment où je parle en mode, ah, c'est super, elle s'est réveillée, qu'en fait, non. La meuf dort. La meuf est endormie. Bon, bah c'était une victoire facile, hein. Big Mom, c'est terminé. Je suis désolé pour toi. Mais vraiment, tu puais à un point, genre vraiment... Ah pardon, ok, t'avais une deuxième forme. Ah ok. Et là, tu te bats un peu mieux avec ta deuxième forme. Fais voir un peu à quoi tu ressembles. Ah oui, elle est super saiyan. Ah oui, d'accord, elle est dégueulasse. Elle est trop moche. On va supprimer ce truc. Après, peut-être qu'elle est juste découragée par mes fantômes et c'est pour ça que des fois elle ne tape pas. Ah oui, parce que là, oui, je n'utilise plus mes fantômes et elle m'attaque. Ah ouais, en fait, c'est juste mes fantômes qui sont broken. Bah, let's go. Allez, viens, Big Mom. Là, c'est un réel combat. Là, c'est... je vais juste la fumer. Attends, je suis en train vraiment de l'exploser. Let's go. Hop là, dans les airs. Ah oui, là, elle se bat. Ah oui, elle fait mal. Oui, tout de suite, c'est plus intéressant. Et là, fantôme. 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 Et là, elle fait plus rien. Waouh. En fait, ce fruit, je l'ai sous-estimé, il est pété. Elle avait des os Big Mom, mais je suis littéralement supérieur, d'accord. Là, elle est littéralement Super Saiyan. Il y avait une troisième forme, Elle ne s'arrête jamais. Non, mais c'est le pire boss du jeu, elle a 3 formes.
Je suis sûr que même Kaido, il aura pas ça. Elle est tellement énorme, j'arrive même pas à la voir en entier dans mon écran. Et c'est pas une blague sur les gros, c'est littéralement vrai. Parce qu'elle est vraiment... Elle fait 50 mètres. Genre vraiment, frérot, c'est quoi ça? Attends, elle est en train de s'exciter là, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Attends, quand je frappe, je fais du Haki des Rois? C'est moi qui fais ça? Attends, c'est moi qui... C'est elle ou c'est moi qui est en train de faire ce Haki des Rois de dingue? Et du coup, elle est morte? J'ai gagné? J'ai win? Mais attends, c'est moi qui faisais ça? Ou alors c'était parce qu'on était tous les deux des empereurs? Qu'est-ce qui s'est passé? Attends, il y a Wapol, il faut qu'on essaie sur lui. J'ai failli crever, mais vas-y, je pense que je peux tuer Wapol quand même. Wapol, viens ici, il faut que je teste. Oh, c'est moi qui fais ça. Oh, ok, ça c'est une dinguerie, J'ai tellement XP moi qui que ça y est, je maîtrise le Haki des Rois renforcé. Et ça, c'est quand même vachement stylé. Il y a une différence avec genre mon Haki des Rois de base ou parce que là, mon Haki normal est juste toujours pareil. Haki des Rois, en avant. Non, il est toujours identique, mais sa mère, maintenant, je mets des coups de Haki. Ah ouais, ça va être bien, Ok, faut qu'on trouve Kaido. Je suis pas sûr qu'il ait une structure, donc si jamais il en a pas, on va juste se trouver un endroit sympa où l'affronter. Effectivement, je viens de tout fouiller. Kaido n'a pas de structure, donc je suppose qu'il ne peut pas spawn naturellement. On va devoir l'invoquer nous-mêmes. Et bah, pas de problème. Aucun souci, on va se trouver un endroit bien sympa où l'affronter. Et on va le fumer. Et du coup, c'est avec le Moku Moku, si je me trompe pas, lui. Ce qui va être plutôt facile. Les Logia sont pétés dans ce jeu. Je sais même pas si Kaido va réussir à me faire beaucoup de dégâts. Big Mom, il sera peut-être notre adversaire le plus vénère de tout ce pack en fin de compte. Ok, j'ai invoqué Kaido. Regardez comment il est beau. Il est Kaibo. Il est... Waouh. En vrai, il est stylé. Là, t'as des beaux pecs. J'adorerais les lécher. C'est bizarre. Ça commence à être bizarre, Kaido. Est-ce que tu es prêt pour notre duel d'empereur? J'ai pas récup tout mon Haki. Mais ça devrait aller. Allez, c'est parti. Haki des Rois contre Haki des Rois. Oh oui, ça c'est stylé. Ça c'est un combat comme on le voulait, Kaido. Ça c'est un duel honorable. Attends, mais tu me fais... Ah, mais il me fait rien. Oh, Nulos. Nulos, c'est grâce à mon Logia, j'esquive tout. Bah alors, je pense qu'il a une forme 2. Je pense qu'il a une forme 2 et il va m'exploser. J'ai quoi comme technique? Okay, j'ai un punch, j'ai un autre punch, j'ai un dash, j'ai un autre punch. Et ça, ma dernière attaque, White Storm. Oh là, je m'envole. Ok, je me suis envolé, j'aurais dû faire ça au corps à corps. Non, c'est trop fort. J'ai pas envie de tuer Kaido avec un Logia. Je change, je vais prendre le Awa Awa Nomi, le fruit de la bulle. Comme ça, là, il va pouvoir me toucher. Allez, Kaido, c'est parti. Frappe-moi. Attends, mais il me fait rien. Attends, mais... Kaido? Allô, Kaido? Ah, ok, c'est bon, il s'éveille. Il fait moins mal que Big Mom, il fout la honte. Attends, non, il fait mal. Oh oui, il fait quasiment une barre de PV. D'accord, j'ai sous-estimé. J'ai plus mon Haki, c'est peut-être pour ça qu'il me fait si mal. Ok, Kaido, je suis vide. J'ai plus aucun point de Haki. Il va falloir juste que je te fume petit à petit. Mais pourquoi tu fuis où? Eh, les IA dans ce jeu, c'est quoi votre problème? Venez m'affronter. Affronte-moi. Haki des Rois contre Haki des Rois. Hop, je peux le réactiver vite fait. Viens ici. Frérot, hey, frère, il est fatigant. Il est... Ah, ok, ça y est, c'est ça que j'attendais. Une deuxième forme, la forme hybride. Peut-être que là, on va avoir un vrai combat. J'ai toujours plus de Haki, par contre. Oh, il fait mal. Oula. Oh oui, il me fume. Attends, là, on a un problème, parce que l'IA est toujours aussi stupide. Mais le problème, c'est que dès que je m'approche, il me met une barre de PV dans la bouche. Ça picote un peu. Allez, Kaido, c'est l'heure. J'active mon Haki. C'est terminé pour toi, et c'est... Gagné. Ouh, il m'a droppé un coffre en diamant. Deux coffres en diamant, pardon. Ainsi que son Dendenbushi. Eh, vas-y, il était trop éclaté. Après, j'ai gardé Shanks pour la fin pour une bonne raison. C'est que Shanks va probablement taper aussi fort que Kaido. Et lui, il a une IA, réellement. Donc, ça va être plus vénère. Mais ouais, c'est clair que ce mode, son point fort, c'est les structures, mais pas vraiment le reste. Par curiosité, qu'est-ce qu'on a dans ces coffres? Alors, on a eu... Oh, le Gom-Gom, c'est le Gom-Gom, lui. Ah ouais, on a le Gom-Gom. Ok, fun. Ainsi que, qu'est-ce que c'est? Goé. Ah, c'est nul, Goé. Ok, c'est le fruit, un fruit éclaté. Faites pas attention à ce truc. Ok, après le pantalon de barbe blanche, je l'avais déjà. Ok, c'est sympa le Gom-Gom. Dommage que je vais pas pouvoir m'en servir. Mais ça aurait été plutôt fun. En plus, j'ai le Haki des rois, donc j'aurais pu faire... Là, je peux faire Gom-Gom, Hawk Gatling. C'est le Hawk Gatling avec le Haki. Oh, ça aurait été stylé. Dommage qu'on l'ait pas eu plus tôt. Malheureusement... Ah ouais, ça aurait été cool. Ça aurait été vraiment cool. Mais je peux même pas passer en guerre 50 de toute façon. Donc, il aurait fallu faire la quête de Luffy. Et la quête de Luffy, je crois, est assez relou. Donc, ça m'arrange, en fait, finalement. C'est très bien comme ça. Ok, OP Nomi, c'est parti. Hop, c'est le fruit final qu'on va utiliser. Alors, on peut faire Room. Ok, ça a fait un bruit de Room, mais je ne vois pas de Room. Donc, ça doit être imaginaire. Imaginez qu'il y a une Room. Ouh. Et après, je peux faire quoi comme attaque? Je peux faire... Il s'est rien passé. Je peux faire une explosion, d'accord. Et j'ai plus d'énergie, donc on va attendre un petit peu et peut-être qu'on testera sur Shanks.
Allez, on se rend dans le bateau de Shanks. Je n'ai presque plus de bouffe. Je n'ai pas d'armure parce que visiblement les PNJ étaient trop nuls jusqu'ici. On affronte littéralement le pire boss. Plus il a une armée, il commence pas full life pour une raison que j'ignore. Et c'est bien le... c'est bien une chance en fin de compte. Parce que là, potentiellement mourir, c'est potentiellement la fin. Vas-y, attends. Oh, sa mère, je prends déjà super cher. Ok, room. Ok, j'ai fait ma room. Technique secrète, need room active. Mais qu'est-ce que j'ai fait à ton avis là il y a 2 secondes? Room. Ok, première technique, je peux voir les gens à travers les murs. Ça sert à rien. Ou alors je peux échanger avec eux. Oh, je peux échanger avec eux. D'accord, d'accord. Autre technique. Ok, ça fait des attaques tout autour de moi et je disparais. Tout comme l'eau dans ce mode. Ensuite, on a Gamma Knife. D'accord, let's go. Ok, oh, pas mal. Belle technique. Et la dernière, c'est celle où je prends le cœur des gens. Je crois que je viens de leur prendre le cœur. Art. Oh, ok. Ah, je les ai one shot. Ah ouais, j'ai vraiment mangé leur cœur. C'était pas mal du tout. Mais là, vous le voyez, sans mon armure et sans mon haki d'activé, sa mère, je prends super cher. Ok, Shanks est ici, dans cette salle. Il devrait pas m'attaquer à vue. Ok, il est là. Il est en train de fumer. Pourquoi tu fumes, Shanks? Mais qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi tu... Shanks! Mais arrête de fumer! Mais qu'est-ce qu'il... mais qu'est-ce qu'il a? Il est tellement énervé qu'il en devient brûlant. Attends, mais c'est quoi ça, frère? Je rigole. Zéro, c'est bizarre, en vrai. C'est pas important. Ok, Shanks, j'espère que tu es prêt. Je suis le prochain roi des pirates et pour ça il faut que je batte tous les empereurs et tu es malheureusement le dernier sur ma liste. Donc c'est parti, malheureusement, je n'ai pas de haki illimité. Viens m'affronter. Viens. Ah oui, là, lui il a une IA. Oh, il fait. Oh, il fait pas si mal que ça, mais il est plus rapide que les autres. Ok, ça peut quand même être un challenge. Attends, attends. Stop, stop, Shanks, stop. Tu as cru que j'allais te laisser juste perdre ce duel avec aussi peu de vie? Non. On le soigne, voilà, on le soigne tranquillement. On va se faire ça full life. Je m'en fiche. Désolé, Shanks, tu es bugué. Donc j'utilise la magie du one cheat pour te soigner et qu'on ait un vrai duel. Parce que là, voilà, voilà, 1000 PV, c'est beaucoup mieux. Bon, moi par contre, comme un débile, j'ai pas régène moi qui. Donc c'est reparti pour un tour. Allez, Shanks, viens m'affronter. Ah oui, là, voilà, là on a un duel digne des empereurs. Là, enfin, tu peux goûter à ma toute puissance. Et enfin, nous avons un duel digne des plus grands combattants de ce monde, des plus grands guerriers. Nous sommes tous les deux les maîtres de nos arts respectifs. Et donc, c'est l'heure de que l'un de nous demeure. Et littéralement, parce que je ne revivrai pas si je meurs. Et là, il va peut-être me tuer. J'espère que non. Ok, on va shambles. Il va rien voir venir. Attends, j'ai plus ma room d'activer. Ok, shambles. Non, pas avec l'araignée. C'est pas grave. Bonjour. J'ai fait une retraite stratégique. C'était pas prévu. J'aimerais bien retourner en haut. Ok, je veux changer avec eux. Bonjour. Me revoilà. Où suis-je? Je crois que je suis en dessous de Shanks. Ok, excusez-moi, vous n'êtes pas ma cible. Vous n'êtes personne, vous. Cassez-vous de là. Hop. Ok. Où est Shanks? J'aimerais échanger avec lui, mais. Il y a que des randoms ici. Ok, parfait, c'est bon, on est juste à côté. Excuse-moi pour ce petit contretemps, Shanks. Me revoilà. Ok, Haki des rois. Parce que là. Ah oui, mais il fait super mal quand j'ai pas le Haki d'activer. Ok, Haki. Non, je l'ai désactivé, je suis trop bête. Ok, c'est bon, il est activé. C'est ma dernière bouffe. Je ne pourrai plus régénérer après ça. Ok, technique secrète. Gamma Knife, tu es dans la sauce, frère. Tu es dans l'ultra. J'arrive même pas à le toucher, il est vraiment rapide. Ok, let's go, on va lui prendre son cœur. J'ai raté, j'ai pas réussi. En même temps, c'est un empereur, à quoi je m'attends? Il a un haki tellement fort que le frère, il me repousse. Ok, technique violette. Je sais pas comment elle s'appelle, mais est-ce que c'est réellement important? Pas trop. Attends, non, il y a un cœur par terre, c'est le sien. Oh, c'était le sien. Ok, j'ai fait des très bons dégâts avec ça. Par contre, là, je... Oh, attends, il y a un autre cœur. C'était pas le tien, ça, par contre, Shanks. Je sais pas à qui il appartenait, mais il ne t'appartenait pas. Ok, on a échangé avec un autre bandit. J'aimerais juste récupérer un peu de bouffe. Il y en a généralement là-dedans, là. Évidemment, j'ai que des émeraudes, là, maintenant que j'ai besoin de bouffe. Vas-y, je régène rien, c'est nul. Ok, il me faut mon stuff, il me faut... Hop, on va équiper le full flow de barbe... Vas-y, c'est quoi? Non, je veux même pas la cape. Voilà, je suis en mode énerve barbe blanche, on sait pas ce que ça veut dire, mais c'est pas grave. Salut, Shanks, me revoilà. Là, ça, c'était pas prévu, j'avais oublié qu'il y avait un creeper. Ok, Shanks, c'est le tout pour le tout. En avant, je peux plus me soigner. Je suis dans une de ces sauces, mon frère. Je n'y crois pas. Ok, en avant. Gamma Knife. Need room active. J'avais oublié. Ok, Gamma Knife. Quand tu veux, Gamma Knife. Pourquoi il s'active pas? J'arrête pas d'appuyer dessus. Il est passé où? Shanks. Il a dû sortir. Ou alors il est tombé dans un trou. Shanks. Oh oui, il est là. Ok, c'est pas grave. On passe dans la cuisine. Attends, c'est la cuisine ici en plus, je pense. C'est pas important. Je vais plus avoir de vie. Attends, mais il a appelé toute sa clique. Haki des rois. Hop là. Parfait. Ok, donc eux sont stun. Eux sont même tous morts actuellement. Dégagez d'ici. Qui m'a mis en feu? Qui a osé? Qui? Toi là, toi! Toi, petite insignifiante, tu es personne. Alors que là,
Moi, je suis bientôt mort, donc je ne serai bientôt personne. Parce qu'on ne se souviendra que du vainqueur de cette bataille. J'arrive même pas à le taper, on est où là? Ok, Room. Ok, Gamma Knife. Parfait, il est stun. On prend son cœur. Je crois que j'ai complètement raté, je crois que je n'ai pas son cœur. Ok, là, là, hop. Ok, si, je l'ai touché. Technique violette. Ok, aucun dégât. On réactive le haki. On frappe. Mais attends, mais j'ai plus de haki en fait. J'ai quasiment plus rien sur moi, je suis trop dans la sauce. Allez, qui va mourir en premier, Shanks? Toi ou moi? Je crois que ça va être toi. Let's go. Oh, ok. Il a une phase 2. Il a une phase 2 qui n'était pas là, je crois, la dernière fois que j'ai joué. Shanks, le conquérant. Ah oui, d'accord. Ok. Ah oui. Oui, d'accord. Shanks avec son haki des rois. En fait, je pensais que j'étais en train de le battre. C'était même pas la phase 1. Bien écoutez, s'il y a bien un truc à retenir, c'est que j'aurais dû y aller en ayant mon haki à fond. Je sais pas ce que j'ai foutu et j'aurais dû récupérer de la bouffe. Mais Shanks est surtout le plus fort. Il mérite beaucoup plus que moi d'être un roi des pirates. Donc malheureusement, j'ai échoué. Mais je l'ai quand même battu. Il y avait pas de phase 2 la dernière fois que j'ai joué. J'y peux rien, moi. Allez, abonnez-vous. On rejouera ce mode One Piece à l'avenir. Mais là, pour l'instant, la série est finie. Je suis littéralement trop fort, les mecs. Genre, à part retuer Shanks, j'ai plus rien à faire. Donc voilà, c'était cool, mais je suis mort. Bisous, bisous.